Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Miss Loulou Miguel. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto donc, euh, sur Murder, pour savoir comment enlever, donc attendez, comment enlever tous ces bugs-là, euh, avec erreur, euh, les bugs de texture comme ça, tout dégueulasse, voilà. Ça se trouve, je vais me faire tuer devant vos yeux. Voilà, mais je crois que c'est lui. J'ai vu son couteau. Enfin bref, donc voilà, on va tout de suite passer sur le PC, voilà, on ferme ça. Hop, on a rien vu. <laughs> donc voilà, donc vous allez télécharger euh, ce petit dossier que je mettrai donc en lien dans la description. Donc, vous double-cliquez dessus, donc il faut bien sûr WinRAR, cela va de soi. Évidemment, il met deux heures s'ouvrir. Ah oui, je tiens à dire que j'ai mon nouveau PC, hein. comme vous pouvez le voir, je suis allée sur G-Mode sans bugger. C'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Euh, on va dire qu'il est rapide que pour les jeux. Hein. <laughs> voilà, donc vous allez extraire ce petit dossier à où vous voulez. Ça prend un petit peu de temps. Bon, ok, on se retrouve à... dès que ça a fini de... de se mettre sur le bureau. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, on est bientôt à la fin. Donc, on est à 98%. 99, ça va passer à 100. Voilà, le fichier est extrait. Donc, vous devrez prendre en fait tous ces dossiers-là, sauf le Read Me Now, évidemment. Donc, euh, vous allez aller pour faire plus facile euh, sur votre Steam. Donc, attendez, attendez. Hop, je. Voilà, bon, vous faites un clic droit. Et vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Une fois ici, vous remontez. Et vous allez dans Steam App. Je mettrai euh, le chemin d'accès au cas où je vais trop vite pour vous dans la vidéo. Donc Common, Garise Mode, Garise Mode, Addon. Et vous mettez tout ici. Je trouve plus le dossier, voilà. Vous prenez tout ça, sauf le Rain Me Now. Et vous mettez tout dedans. Donc vous attendez que ça se fasse. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc on se retrouve tout de suite à, dès que c'est fait. Donc voilà, une fois que vous finis, vous fichiez pardon, on finit de se mettre, vous pouvez tout fermer et on va retourner. Non, ça c'est Must, coucou. On va retourner donc sur euh, GMod et vous allez voir que normalement les bugs se sont enlevés. Donc s'il veut bien se lancer évidemment sans bugger parce que Camtasia, on le sait tous, ça fait énormément bugger les jeux. Et euh, je vais vous dire un petit truc à nettanet. Euh, pour par exemple mettre les maps, euh, parce que en fait, euh, je sais pas pourquoi depuis, on va dire une certaine version, les maps ne s'installent plus toutes seules. Vous allez juste dans le workshop et vous installez vous-même la map parce que moi ça me l'a déjà fait. Des fois je rejoins un serveur il me dit bah non t'as pas téléchargé la map alors tu peux pas rejoindre. Donc voilà je vous le dis comme ça, euh, ça peut enlever un autre bug de ce jeu. Allez lance-toi. Trouvez parti. On va aller dans celle où j'étais allé donc euh, historique. Mode. Voilà. Ils sont plus que 3. Très bien, on va rejoindre très vite. Au passage, on est bientôt 2500. Alors là, franchement, je trouve que ça monte à une vitesse. Merci à tous. Franchement, n'hésitez pas à en parler autour de vous et tout ça. Plus on montera et plus ça sera un truc de ouf Enfin bref, voilà, je voulais, je voulais le dire. D'ailleurs, soit 2500, soit 3000, je ferai une autre FAQ. Hein Peut-être que ça vous motivera un petit peu plus. J'en sais rien, enfin bref, voilà. Donc voilà, nous avons rejoint le serveur. Oula, il bouge très vite lui. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout les bugs. Donc oui, j'ai fait une petite avance rapide pour entrer dans le serveur. Oh là là, la vilaine. Donc voilà, il n'y a plus aucun bug. J'ai cru qu'il allait se faire buter. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Allez boum, il l'a crevé. Allez boum, il va le crever. Même pas. Mais c'est une bite. Ah mais c'est peut-être de poteaux. <laughs> Bref voilà donc je vous dis à tout à la prochaine n'hésitez pas de liker cette vidéo de commenter et de vous abonner allez bisous bisous tout le monde!